Ok, on va abandonner. C'est peut-être parce que le jeu a été lancé en même temps. On va abandonner, hein. On va pas jouer les troubles faites. Nice. Alors, j'ai commencé un peu plus tard parce qu'en fait, il y a eu une mise à jour du jeu. Donc, il a fallu attendre que la mise à jour se fasse. Voilà. En espérant que ça n'a pas compromis même. C'est là. Qu'est-ce qui a été mis là? J'apparais quoi? Bah, pourquoi je me connecte à Steam? J'ai pas joué. Non, ce matin, j'ai rien fait du tout. À part être à la banque, c'est tout. C'est parti. Bah on va essayer de construire un peu tout mon système. Je me demande si je ferais pas un tapis dans les deux sens. Ah, ou bien. Voilà. Bon. Mais bon. Hop, ouais, j'ai cru que c'était un insecte, mais non. Par contre. Je sais pas. Est-ce que c'est assez fort ou pas? C'est moi ou... Ou on n'entend rien quasiment? Audio. Perso, j'entends rien. Hein. Donc, je vais mettre à 30. Ouais, ça c'est mieux. Pour qu'on entende la machine. Je sais plus. Voilà, ça c'est bon. On va construire ceci. Donc, on a la possibilité de le monter, de le descendre. Ah, il nous faut des tiges. Par contre, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de la musique. C'est quoi ça? Je crois que déjà rien que les bruitages et tout ça. Attendez, peut-être que en remettant comme avant. Pense que 24 c'est bien. Bon, on va se faire des lingots. On va mettre 30. C'est bon, on touche plus au son. Voilà, bon. Il va falloir plus que ça, ouais. Ok. Bon, en deux que je suis. Bon, avec une vingtaine, normalement, je devrais avoir assez pour faire mon petit circuit. Un petit circuit qui n'a pas beaucoup d'utilité, on va dire comme ça. Mais ça en a énormément. Donc, on a encore des cadeaux, hein, à gauche, à droite. Moi, ce que je voudrais, c'est en... De... Déjà d'ici.
c'est pas ça. Voilà. On va aller de l'autre côté. Hop. On peut monter par là. On va essayer de dompter un peu. J'ai pas été très efficace, mais voilà. On va un peu nettoyer tout ça. Ok. On a une certaine distance qu'on peut faire avec les pylônes. Enfin, avec les, plutôt avec les convoyeurs. Là, vous vous demandez, mais pourquoi j'ai fait ça? Aussi haut. Bah, premièrement, hop. Ça va être un peu hard, hein. Alors, ah. Malheureusement pour moi, il faut que je retourne là-haut. Un peu plus complexe. J'ai oublié de prendre du béton. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les bestioles qui m'attaquent. Peut respawn même quand il y a mes installations. Donc plus de béton parce qu'on a plus de calcaire. On a plus de calcaire du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc au final, on est un peu dans la merde. Ça veut dire qu'il faut aller chercher. Du béton. De pauvre qualité, ça serait bien déjà d'en avoir. Mince. Je sais même plus quelle touche c'était. Non. Bon, attendez. J'ai intérêt à me dépêcher parce que je peux me faire attaquer à tout moment. Touche. C'est quoi qui avance vers moi là? Oh, ok, c'est toi. Ah, c'est pour faire frire. Ok, la lampe torche. La carte, c'est pas intéressant.
STV 130 mètres. En train de me dire que j'ai dû. Si j'en ai juste là, j'en prends ici, quoi. Même si c'est de la mauvaise qualité. Voilà, quoi. C'est juste pour faire le circuit, après on récupérera tout, quoi. Attendez. Même si c'est de la petite qualité. Et les ressources sont infinies, hein, donc on peut s'amuser à faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on va s'amuser énormément. Il va falloir en faire un de chaque côté. Hein. Hop, allons-y, faisons du béton. Par contre, je me demande si je l'ai pas fait un peu trop grand ici. Voilà. Ouais, on va peut-être le faire un tout petit peu plus petit. Non, on va faire comme ça. Comme ça, on y gagne quand même un. Ouais, on avait dit qu'on devait construire ça aussi, mais on va vite construire déjà un circuit. Vers ma base parce que je vais devoir faire un truc. Je reviens tout de suite.
Bon, allez, c'est reparti. Bon, en espérant que mes intestins me laissent tranquille. Mais c'est pas gagné. Pas du tout gagné, gagné. Bon, on était ici. Est-ce que là... Je crois que je vais faire autrement. Hop. Ah ouais, d'accord. On va faire autrement alors. Ouais, c'est logique. C'est logique, c'est logique, c'est logique. J'ai plus de plaques. En même temps, c'est logique, hein. Tant que je n'aurai pas les matériaux adéquats, ça n'avancera pas. Bon. Je sais pas, il m'en faudrait peut-être une. Une vingtaine. Bientôt le up ne nous servira plus à grand chose en termes de construction. Ok. On n'était pas loin. On va tout faire. Après, de toute façon, on fera de la fonderie. Mais bon, la fonderie, il nous faudra de l'énergie et tout. Ça, j'ai malheureusement pas encore la capacité de le faire, quoique je pourrais, mais déjà uniquement déjà ça. Ça, c'est mon petit billet de marche. Bon, pour l'instant, il est un peu nul, hein. Mais voilà quoi. Bon. Il nous faudrait du fer. Là, c'est du cuivre. Ça m'intéresse pas le cuivre.
On va aller chercher du béton aussi. Allons-y. Voilà. Par contre, il faut bien viser. Pour l'instant, il y a un arbre là, donc on peut pas. Voilà, ça c'est sûr, ça rentre. Voilà. Ensuite, on peut faire un biogaz. On va essayer de le mettre ici. Pourquoi je n'utilise pas le biogaz du vaisseau? Enfin, de hop. Pour la simple raison que j'ai pas envie. Là, on a un petit souci. Donc moi déjà à la base j'en ai une grosse capacité, ce qui va me permettre de construire les autres. Voilà, ça fait 20. C'est sans compter, bien sûr, le reste. Hein. Alors ici, ce sera la fonderie. Puis il y aura un stockeur. Puis le stockeur, lui, fournira aux autres entreprises. Voilà. Bon, au moins il tient un peu le coup, mais c'est pas ça que tu vas tenir longtemps.
Il va falloir faire au moins du biomasse très rapidement avec ça. Ça, c'est une des ressources primaires les plus faciles à se procurer. Mais voilà quoi. C'est pas encore automatisé quoi. On sait pas le faire automatique. On a aussi avec le bois. Et plus tard, on pourra même utiliser les carapaces des sortes de lions qu'on tue là. Ceci. Et je tirerai même peut-être avec les fleurs, mais je suis pas sûr. Mais avec les autres trucs des autres. Des autres. Donc, avec des carapaces et avec les organes extraterrestres. Bon, ce qu'on peut. On va mettre ça ici, on n'a pas besoin de garder tout ça. Bon. Alors, le jour se lève. Un peu bizarre, il fait gris. Un peu comme dans mon pays pour l'instant. D'accord. Alors, consommation, production, max de consommation, capacité 10 watts. On va peut-être pas trop. Cent vingt minutes. Si je le fais compact, pourquoi ça... Pas. Ah non, non, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Il bouffe, il en bouffera 120 par minute, et là il en bouffe que 10 par minute. Ouais, bon, soit. Est-ce que j'ai le temps de. On va essayer d'avancer un peu dans. On va commencer par construire mes plateformes. Ensuite. Je regarde. Un peu la taille du terrain. Ça a l'air plutôt pas mal.
On pourrait le faire sur plusieurs niveaux. Mais on va laisser assez de... On va le faire partir d'ici et en dessous on pourra mettre nos pompes à eau. Alors, non, c'était pas ça, c'était ça. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir déjà si oui ou non je peux avoir. Non, je peux pas avoir le truc. On peut déjà placer ça. Ça serait intéressant. Là, m'empêche d'avancer. Voilà, et les lingots donc sortent plus facilement. Bon, je le coupe pour une simple et unique raison, de 1, parce qu'on a plus pur. Que j'en ai à la main, que ça ne sert strictement à rien de les garder en main. Bon, on revient dans quelques minutes. On peut faire quoi là-dedans? Mais on peut aller voir quel niveau on peut monter encore. Alors, on peut construire. C'est ça qu'il me faut. Donc, il nous faut tout ça. D'accord. Bon, le béton, ben, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire soi-même. Bon, on va aller chercher du béton. En tout cas, au début, c'est comme ça qu'on fait, hein, je veux dire, on court, on court, on court. Je me rappelle pas. Qu'est-ce que j'ai touché pour... Ah, c'est pour prendre des photos. Bon, je sais pas. Assez de biome. Pas assez de calcaire. Ouais. J'ai dû quitter la fenêtre, hein. C'est pour ça que vous avez à un moment donné un petit écran noir.
falloir aussi que je me dépêche à ramener la... On va aller un peu plus vite que ça. Ah, il y a le soleil. En tout cas, ça... J'ai l'impression qu'il y a une grotte là-bas. De toute façon, on verra. Je vais m'approprier la zone, de toute façon, alors. J'abattrai aussi les arbres. On ramènera les ressources possibles et inimaginables qu'on peut. Je suis pas sûr qu'il me faut des grosses usines comme je l'ai fait dans d'autres parties. Mais par contre, il y a des bugs avec l'herbe, pas grave. Ce jeu est en constante évolution, donc peut-être je m'occupe aussi de la plage. Je crois que sur la plage, je vais faire une gare. Il y aura le train et tout qui passera là. Je pense qu'avec cette quantité de calcaire, on va enfin pouvoir avancer là-dedans. J'ai plus du tout de fer. Hein. Voilà. Et ici, on peut faire pas mal de fer. Ah, de béton. Le cuivre, c'est de toute façon plus simple. Il y a très peu de technologie qui va avec le cuivre. À moins qu'ils ont amélioré encore le truc. Mais voilà. En général, le cuivre, on en fait du fil électrique et puis des câbles. Et en général, ça s'arrête presque à ça, quoi. Sauf que le fil électrique, on peut le combiner avec d'autres matériaux qu'on peut fabriquer autre chose avec, comme des moteurs. Enfin, bon, je crois pas que les moteurs ont besoin de fil, mais y compris, quoi. On peut faire d'autres pièces. Voilà, donc ça c'est fait. Tu déconnes là. Il manque 10. Demande 10. Ouais. Au début c'est long. C'est très long d'avoir les ressources, on va dire. Parce qu'on a encore rien d'automatique. Mais quand on aura tout ça, ça ira très très vite.
là. On va chercher des lingots. Je crois qu'on n'aura pas assez. Allez. Dès que j'aurai commencé ça, je pourrais commencer à optimiser un peu mon usine. Je sais pas, peut-être 4 ou 5 de hauteur, je pense que ce serait très très bien. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va chercher à peu près 4-5 rangées de. On n'aura pas. Va falloir attendre. Et au lieu d'attendre comme les piafs, on va un peu visiter la zone. Ah, c'est 100 seulement, je crois que c'était 200. Ah non, c'est 100, oh, mais j'ai assez alors. Je pensais que j'aurais pas assez, mais je pense que j'ai assez. Ouais, je vais avoir assez. Et voilà. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure and improved overview. Building these will provide a grid for more advanced organizing and sectioning of your factory. Il sera de retour dans une minute. Alors, ce qui nous permet donc de construire tout ça. Maintenant, est-ce qu'on fait des fondations de 1 mètre? Attention, les fondations sont énormes. D'accord? Voilà à quoi ça ressemble. Le carré en lui-même, c'est rien, c'est plutôt la taille. Voilà, il y a des grosses épaisseurs, petite épaisseur, moyen épaisseur. Ça coûte énormément en béton. C'est pour ça que l'une des premières usines à faire est le fer et celui du béton. Hop, je prends ça aussi. Bon, ça a une production normale, mais voilà quoi. On va se développer. Au début, on va commencer par ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais pas essayer de ramener le bazar. Je vais pas essayer de ramener le bazar juste ici. Allons-y. Milestone exchange concluded. Fix. Pas besoin de ton message. Je crois que c'est même plus la peine d'avoir l'autre qui parle. Normalement, ça, on s'est pas enlevé la voix.
crois qu'en enlevant les dialogues, je pense que c'est bon. J'aurais peut-être plus la voix de la fille. On va essayer de faire le maximum de béton. Parce que ça va nous coûter énormément. Alors, la gravité ici, pour les bâtiments, elles sont nulles. Donc je peux construire dès le début en hauteur, ce qui est un peu dommage. C'est bien dommage. Moi je pense que... Oh, l'autre est revenu. Je vais voir ce qu'on peut débloquer. On peut débloquer ceci. Ouais. Ou alors les balises. Alors les balises sont très très utiles. Et si c'est possible. Ah oui. Juste, c'est vrai, c'est plus dans le bâtiment qu'il est, c'est à l'extérieur. On peut le placer où on veut. Alors, on pourrait même avoir des coffres individuels. Emplacement supplémentaire. Ma foi, je ferais bien ça. Ce serait plutôt pas mal. Mais avant. Plateforme. Alors, le tout est de savoir à quelle hauteur on veut commencer. Soit on commence à cette hauteur-ci, soit on commence à cette hauteur. Et j'ai plus envie d'aller à cette hauteur-là que là-bas. Bien que j'ai une bosse ici, je peux pas creuser. Hein. En tout cas, à ma connaissance, on n'a aucune possibilité de creuser. C'est pas j'ai Attendez 2 secondes. Voilà le problème. Alors attention, je peux récupérer toute la ressource. Donc ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc on va nous faire notre sauce. J'ai décidé de le mettre à cette hauteur-là, donc à la limite, eux, ça pose pas de problème. Ils resteront à l'extérieur de toute façon. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est voir si c'était parallèle ou non. Ça a l'air d'être la bonne dimension. Enfin, la bonne dimension. La bonne hauteur. Voilà. Bon. Il y a juste le souci d'ici, mais c'est pas grave. Vous n'en faites pas, l'arbre, on va l'abattre. Voilà.
Et encore un carré. Et puis je pense que pour le reste, on pourra. J'ai un peu quitté l'écran. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est la hauteur. Est-ce que je dois modifier ou non la hauteur? Je pense que la hauteur là est bien. Attention que je peux pas monter non plus. Je pense pas que j'ai une hauteur non définie par rapport au ciel. Mais on peut s'étendre. Hein, donc on n'est pas obligé de faire tout au même endroit. On peut faire des usines un peu partout. De toute façon, on va devoir faire des gares et des zones où il y a des entreprises un peu ailleurs. Et faire en sorte qu'il y ait une zone de stockage. Ainsi qu'une zone où on va pouvoir mettre nos déchets toxiques. Parce qu'on va pouvoir aussi aller très loin aussi dans l'énergie. Ok, c'est trop beau, c'est trop. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Non. Sérieux? Non. Il y a un calendrier de l'avant? J'y crois pas. Je sais pas où elle est. D'accord. On est combien en fait? Je sais plus. On est le 7, donc on a fait le 1, on a fait le 6, on a fait le 3, on a fait le 7. On n'a pas fait le 5. Il est où le 5? Ah, j'ai vu le 2. Ok. Et le 5, donc. Ah, c'est amusant. Ils aient fait un calendrier de l'avant, c'est. Ah non, c'est bon. Ah, le 4 est là. Voilà. Est-ce qu'on peut construire un sapin? Ah, le 2, on l'a pris. On a pris le 3. Le 2. Le 4. Le 7. Le 6. Le 1. 1, 2, 3, 4. Il manque le 5. Ah, là, le 5. Et voilà! Pardon. Cartouche de couleur, tchic, tchac. Mais c'était quoi l'autre truc là? Comprends pas. Ah oui, ici c'est pour mettre le. Ok. Mais avec ça, je fais quoi? D'accord.
truc de dingue. Est-ce que ok, ça va. Pour l'instant, on consomme pas énormément en matière. Bon, ok. Ça prend beaucoup de place. Ça, c'est quoi ça? D'accord. On pourra de toute façon les garder et les garder stockés parce qu'apparemment, c'est peut-être un événement qui se passera et qui se déroulera chaque année. On sait rien. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de faire tout ça. Ah ouais, alors là on a un petit souci. Bon, c'est pas grave, ça on démontera de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Bah allons-y, on va construire nos machines. D'accord. Ok. Je sais même pas si je peux en fabriquer déjà. On va aller voir. Plaque renforcée, je peux, mais il faut des vis. Allons-y. Combien il m'en faut? Il m'en faut deux. Bon. On va déjà en construire un. Alors. Je voudrais construire aussi, c'est ceci. Où est-ce que c'est? J'ai déjà en construit un deuxième. Et là, cette fois-ci, ce sont des plaques que j'ai pas. Bon, pour l'instant, mes convoyeurs sont pas très rapides, donc on a vraiment pas mal de chances de réussir à ne pas avoir le conteneur rempli avant que je construise vraiment mes constructions. Ça tombe bien, il m'en faut. Voilà, c'est tout. Alors ici, ça va être bien. On va construire un deuxième générateur. Ah, un deuxième constructeur. Voilà. Hop. Ici. Attends, il faut que je l'aligne. J'aime bien aligner mes machines. Convenablement. C'est bien parce que maintenant on peut les coller. Avant on pouvait pas. C'est bien. Et alors, comment vous pouvez le voir? Elle ne se touche absolument pas côté bras. Et on peut passer maintenant par-dessus. Ok, ils ont enlevé la partie invisible ici. Aussi, apparemment. C'est parfait. Hein. Alors, ici, par contre, on va avoir un tout petit problème. Ah, on n'a pas assez de. Ok. On va aller chercher le matériel. Ah non. Non, ce qu'il nous faut maintenant, c'est donner les ressources qu'on a besoin.
Donc on va récupérer les plaques de fer, les tiges de fer et faire du fil électrique. Après on pourra avoir nos fameux distributeurs, séparateurs ouais. Rassembleur et séparateur. C'est très très important si on veut faire une usine assez productive. Maintenant, il va y avoir beaucoup de modifications à faire parce qu'au début on n'a pas toutes les machines, on n'a pas tout, on n'a pas tout quoi. Donc l'usine, ben, on va devoir l'organiser par la suite. Bon, en tout cas, c'est toujours comme ça que je fais, donc. Et en plus, on peut faire sur plusieurs étages, donc. On va essayer de faire une usine propre. Et un peu. Et pas en bordélique. Ce qui n'est pas gagné parce que ça, à un moment donné, ça va partir dans tous les sens, donc il faut vraiment bien se concentrer. Toujours pas. Wow. Je vais y arriver, hein, mais allez. Vraiment, dès que j'aurai réussi à mettre la majorité des ressources, enfin de faire une file de production autonome, franchement, ça ira beaucoup plus vite. Vachement plus vite. Bon, bah, apparemment, je les ai déjà. Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il me manque à peine 60 de tiges machin et 100 de l'autre. Donc il me faut. Vous voyez, la production n'est pas énorme, énorme. Hein. Donc ça va quoi. C'est la première fois que je me mets dans ce biome-ci, enfin dans cette zone-ci de la planète. Je sais pas s'ils vont faire d'autres planètes. Il y a déjà pas mal de biomes, hein, donc ça va quoi. Voilà. Bon, il va me manquer 10 barres de fer. Allez. Après, il va falloir aussi faire c'est l'ascenseur. Mais celui-là, à la base, il faudrait l'installer. Mais je l'installerai bien là-bas en fait. Plateforme et tout. Ou alors au-dessus. En dessous, non, je peux pas parce qu'il faut que l'antenne soit reliée à. En fait, c'est un ascenseur, donc il va dans l'espace. Mais là, j'ai un peu peur que je prenne par la suite pour mon usine.
ici. Je monte deux, trois étages et ici je le mets. Parce que, à la limite, ouais. D'habitude, je mets mes fonderies à l'intérieur, mais je me dis qu'à l'extérieur, c'est pas plus mal. Pourquoi je suis de ce côté-ci, moi? Je suis venu faire quoi, en fait? Je sais même plus. Je pense que c'est ça, mais je suis plus sûr. Je me perds dans le fil du. Voilà. Voilà. Bon, on a débloqué nos engins, ce qui m'intéresse énormément. Donc, amélioration du joueur. Qu'est-ce qui a été amélioré? Je n'en sais rien. Voilà, alors en fait j'ai coupé la voix du dialogue. Plutôt pas mal, j'en ai pas besoin de toute façon. Hop. Ah oui, alors j'ai les convoyeurs verticaux. Ça c'est intéressant si je veux monter en des trucs à l'étage. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire correctement la coordination de tous les appareils. Donc, alors, séparateur de convoi en 3 utilise pour se déplacer des pièces et des ressources afin d'éviter la saturation. D'accord. Regroupe jusqu'à 3 convoyeurs en un seul. Alors, combien de sorties? 1, 2, 3. C'est exactement ce que je veux. Alors, généralement, il nous. Ah ouais, ok. C'est logique. J'ai pas les pièces qu'il faut. Vivement que j'ai un véhicule, moi je dis parce que grâce au véhicule, ben, je vais pouvoir construire des pièces. Donc, vraiment pas besoin de courir. Et il sert de stockage aussi. Donc, voilà. Allez, on est parti. Ça sera plus très long avant d'avoir notre première ligne de production. Voilà. 30 plaques de fer, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Alors, bon, on doit prendre le séparateur. Voilà, hop. Ensuite, pour être sûr que tout fonctionne correctement. Que j'installe ceci, mais il me manque ça et ça, d'accord. Alors, fil électrique, j'en ai largement assez. Ensuite. Ma plume. Hop, il me faut aussi ceci. Voilà. Donc, on doit construire. Ça, mais attendez, hop, il va falloir ceci. On va l'installer, on va dire plus ou moins ici. Mais il va falloir aussi ceci. Et là, il m'en manque 10. Bon, merde, pourquoi il sort toujours de la fenêtre? Bien que ça m'arrange pour les fins de live, mais là, c'est un peu relou. Donc, le petit vaisseau qui permet de fournir les ressources au vaisseau
Et revenu, je pense que j'ai pas encore assez. Alors, vous voyez, ça veut dire qu'ils sont parallèlement corrects. Alors, non, c'est pas ça. Arrête de sortir de la fenêtre. Non, de tchou. Bon, alors ici, il va falloir choisir ce qu'on veut produire, forcément. Ok. Ensuite, on va devoir alimenter tout ça. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Pour lui fournir du miam miam. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de miam miam. Parce que c'est pas évident, hein. À un moment donné, on va partir un peu à la conquête de la zone pour aller un peu farfouiller un peu dans la zone parce qu'on peut trouver comme ressources. Je sais qu'on n'est pas loin du pétrole, mais le pétrole, je peux pas encore l'avoir donc pour l'instant, on va se tâtonner un peu par rapport à ça. Alors, là, c'est de. Pam, 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 pam. Voilà. Et maintenant, dernière ligne droite. Dis-moi, j'ai pas encore sorti de la fenêtre, non. Pas assez de place. Je sais plus combien il m'en fallait, mais voilà. Là, les lingots, ils vont sortir l'un après l'autre. Et ça va rentrer ici. Ah, oh, c'est malin, ils ont fait comme s'il y avait un tapis. Ah, c'est dommage. Ça pourrait faire comme un sorte de petit tapis qui. Je pense que ça le rendrait beaucoup mieux. Ou alors, ils nous laissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais je pense que. Ou alors, et ça c'est ce serait vraiment beaucoup mieux, un sorte de petit bouclier comme on voit dans les films spatiaux là, qui enveloppe le vaisseau. Un petit truc dans le genre, je pense que ça pourrait être très beau. Voilà. Mais sinon, vraiment, le jeu côté graphique, il est plutôt bien réaliste. Bon, ok, il y a encore pas mal à améliorer aussi côté graphisme. Hein, mais personnellement, moi, c'est déjà bluffant quand même. Peut-être que le fait que ça ressemble plus à du vrai métal, peut-être, ou je sais pas. Mais bon, la qualité pour moi, elle est déjà sublime. Voilà. Est-ce que je peux encore améliorer ceci? Non. Il me faudrait truc. Alors ici, bah, on construit attaque. Et là-bas, bah,
En fait, déjà rien que l'autre, elle va venir ici. Donc ça, bientôt, ça partira, mais ce sera uniquement quand j'aurai le charbon et tout ça. D'ailleurs, ouais, je vais me les mettre où, moi, ça? Mes usines. Parce que eux, ils en auront besoin. Donc, à mon avis, il va y avoir une petite plateforme en dessous. Enfin, une plateforme assez imposante. Et je me demande si la hauteur que j'ai fait ne me permettrait pas de les placer en dessous. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave quoi. Mais j'ai des doutes. Je pense que la cheminée est trop haute pour ça. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut débloquer un autre? Étude de terrain, ça ce serait intéressant, ça pourrait me permettre de débloquer ça, on va le débloquer, hop, on va faire ça, allez, go. On aura passé le palier 1, c'est déjà un bon début, surtout en 2 heures de temps. Étant donné que je ne fais pas que faire passer les paliers, parce que si je voulais, je pourrais faire passer tous les paliers très rapidement. Mais pour cela, il faut quand même un peu de transformation et d'amélioration. C'était là ce machin avant? Bon, déjà d'une chose, je n'ai même plus besoin de transformer les lingots de fer en plaques ou en tiges. Ça, c'est déjà une chose. Ce qui est des plaques de fer renforcées ou des vis, ça c'est un peu plus compliqué. Il me faudrait une autre machine pour pouvoir le faire. On pourrait aussi le faire avec le cuivre. Ça pourrait nous faciliter un peu la tâche. Surtout que le fil, on s'en servira pas beaucoup. C'est pour ça que je prends un peu mon temps pour ça. Donc 300, on les a. Maintenant, il nous faut plus que ça et ça. Ok. Voilà, par contre, je vais aller voir si c'est toujours en vert. Ok. Si c'est toujours en vert, ça veut dire qu'ils sont toujours en. Ils ont toujours de l'énergie, donc oh, ça va. Donc, on a les lingots qui sortent ici. Donc, j'ai même pas besoin de prendre des lingots en fait. Hein. Par contre, tu fabriques les tiges. T'en as combien? Voilà, ceux tu les prends. Allons-y. Voilà. Et ici, ben, je peux faire des vis très rapidement. Ah mince, ah ouais, j'aurais dû prendre des plaques, mais je pense qu'on n'en a pas encore suffisamment pour fabriquer ça.
Bon, là, on va devoir sacrifier certains aliments, certaines ressources pour pouvoir débloquer une nouvelle technologie. En tout cas, la mâche, enfin, l'équipement que je vais utiliser va faire ça. C'est l'analyseur et il va analyser toutes les molécules de la ressource et de nous permettre de l'exploiter de différentes manières. Voilà. Au moins on a des vis. Et déjà. Bon, on va aller chercher des plaques. Bon, d'habitude, on peut monter là-dessus, mais ben, c'est pas le cas ici. Bon, on va prendre tout ça de toute façon. C'est pas comme si on était richissime avec les ressources. Ah, ça a planté. Ouais, ça a planté. Passe. Y a pas un jeu. Bon, il y a eu un crash. Il relance le jeu ou... Bon, en même temps, ça va. C'est pour ça que j'ai laissé les sauvegardes automatiques parce que je connais bien le problème avec ce type de jeu en accès anticipé. Ils ont pas mal de crash par moment et voilà. Moi, j'apparais désormais en ligne. D'accord. On reprend. Bon, les crashs, ça va quoi. On va pas pleurer. J'arrive. Hop. Voilà. Bon, on était là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? D'accord. On va aller chercher notre ressource. Hein, on va chercher nos ressources. Ok. Ça par contre, c'était pas logique. Le son et tout ça avait été coupé de quelques mises à jour, mais elle n'a pas tenu compte, mais ça c'est pas un très gros problème. Bon, alors. On va vite faire ça. De toute façon, hop. Allez, 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 allez.
Bon. Ok. Alors, il va nous en manquer un peu, mais c'est pas grave. On n'aurait pas été loin. Ça n'aurait pas été très. C'est dommage, hein, ça, on n'était pas loin d'avoir tout. Hein. Bon, alors. Je peux vous affirmer qu'on peut aller bien plus loin. Hein. C'est pas. Ça a vraiment un problème de. À mon avis, de la mise à jour. C'est pas. Wow! Je pensais pas qu'il allait me faire décoller comme ça, mais ok. On peut prendre ça. Hop, on peut fabriquer encore un peu de matière. Là, je pense que j'ai même largement assez. Et voilà. Donc, on va enfin pouvoir débloquer la machine qu'il me faut. Alors, il me faut des plaques renforcées et des fils. Petite erreur. J'aurais dû la mettre en route. Malgré tout. Voilà. Et donc ici, ben, peut-être. J'espère simplement que j'ai la possibilité de faire ça. Bon, au moins je crée déjà les lingots. Personnellement, je sais pas combien il m'en faudrait encore. Bon, on prend déjà une vingtaine et puis on verra. Ensuite, il me fallait quoi?
Voilà. Vivement que je puisse couper les arbres bientôt. Donc les plaques, il me faut des vis. J'ai bien fait de reprendre des barres, pas des tiges. Je sais pas, il m'en faut combien de plaques? 5. Et les fils électriques. Je peux en avoir que 40. Ben on en aura un peu plus, je pense. Voire peut-être pas. Un tout petit peu plus. Magnifique. Hop. Ça veut dire qu'on va pouvoir installer notre laboratoire. Moi, ouais, j'appelle ça le laboratoire. Alors, le laboratoire, ben, il va nous permettre de débloquer toutes ces technologies grâce à. En fait, c'est une recherche, donc voilà. Il y a des tas et des tas de recherches, donc ça va me permettre déjà de débloquer tout ça. Donc. Alors, la recherche, ça dure énormément de temps. Bah non, là c'est 3 secondes. Boom. Et là, ça me confirme que je peux l'utiliser comme biomasse. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, si je débloque ceci d'abord, d'en faire de la biomasse. Trop cher. Parce qu'en fait, il m'en faut 10 pour pouvoir le débloquer pour ça. Ok. Je n'avais pas vu. On y va. Mais bon, vous en faites pas, ça va aller super vite. Parce que. Peut-être pas pour lui. J'ai pas la ressource en quantité énorme. Ici, par contre, pour lui, oui. Et ainsi de suite. Donc, ouais. Ouais. Ah, carrément. Non, ça par contre, il faut que j'ai la deuxième pour que ça soit déverrouillé. Mais ok. Ça, j'en ai aussi, je pense. Bon, ça, hein, toutes les ressources sont bonnes à récupérer au début. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer plutôt vite ou pas. Par rapport à la ressource qu'on a déjà récoltée. Au lieu de repartir rechercher la ressource, on en a déjà. Donc voilà, ça peut permettre de faire ça. Là, il m'en faut 50, j'en ai plus assez. D'accord. Je vais prendre ça, ça. Et bah, les baies, je les ai sur moi. Bon, c'est un peu dommage hein, de sacrifier autant de. Et on débloque ça. Ah d'accord, on débloque ça avec ça, d'accord. Et après, on pourra voir ce qu'on a. Ah, les limaces bleues. Alors, ça donne éclat de charge. Donc, tous les limaces lumineux nous fournit en quelque sorte cette technologie, on va dire, de pouvoir avoir des charges bleues. Donc,
ici. Hop. Là, les recherches vont vite, hein, mais après, voilà. Alors, il y a des jaunes, il y a des analyses des limaces. Et ici. Donc, ici, il demande une limace jaune, qui est sûrement plus puissante. Et ici, ça, et encore. Ici, ça doit être la mauve. Si je me trompe pas. Attends. On va quand même regarder ce qu'on a d'autre. Le soufre. Ah, événement. Trop cher. D'accord. Enfin, c'est parce que je disais pas sûrement. Ouais, je peux faire pas mal de choses. Hop, on va ranger déjà tout ça. On va prendre le soufre, le quartz. Et peut-être même. Peut-être ça. On va voir. On va voir. Mais je pense. Déjà, on va avoir le sapin. Tout sympa. Ah, ok. Donc, c'est déjà un truc qui est bloqué. Ok. Bon, on va déjà débloquer un peu toutes les ressources qu'on peut déjà débloquer. D'accord. Ça par contre, ça demande pas mal de travail. Alors ici, il y a deux branches. Ça veut dire que le quartz, on peut en faire ça et on peut refaire ça après. Magnifique. Alors ceci est un oscillateur à cristaux. Je sais absolument pas à quoi ça sert. Est un circuit à oscillation électronique qui utilise les résonances mécaniques d'un cristal vibrant pour créer un signal électrique d'une fréquence précise. D'accord. Ok. Bon, pour l'instant, on a un peu débloqué un peu beaucoup de choses. Ça, malheureusement, je n'ai plus la possibilité de les garder. Oh, on peut encore faire une technologie. Apparemment, j'avais pas vu, mais on peut faire pour celle-ci. Bon, on n'en aura plus, mais c'est pas un problème. On pourrait débloquer ça par la suite si on avait suffisamment de fil barbelé. Fil barbelé, ben, fil électrique. Ici. Ouais, ça va vraiment lié. Bon, là, il faut qu'on débloque encore une nouvelle technologie. Et on va essayer de débloquer la technologie où ben, j'ai la tronçonneuse. C'est justement ce que je voulais. Ok, on va se faire celui-ci pour décaler un peu tous les arbres qui se trouvent dans mon passage. J'ai besoin de câbles. J'en ai déjà assez, des clous, je peux en avoir, mais il va falloir que je travaille un peu plus. Je regarde l'heure. Ça va. On est plus ou moins dans les temps, on peut même faire un peu plus long aujourd'hui si vous voulez, il n'y a pas de souci. Non. Ok. On va chercher ça. Il nous faut absolument des fils électriques. Ouais, des fils électriques. Pour une fois, j'ai dit le bon mot directement.
Par contre, pour comment dire, pour la tronçonneuse, à mon avis, il va me falloir le moyen de la construire. Ah ouais, il faut aller chercher du béton aussi. Mais bon, on va faire ça. On va débloquer ce jalon-là. Ce petit palier. On ne voit pas le palier en entier. Hein. Voilà. Voilà. Il est presque. Voilà. 500. Du fil électrique, il m'en faut 100. Ah mais non. Non, j'en avais pas besoin. J'avais déjà tout. C'est pas grave. On va chercher nos bétons. Ça va, ça, c'est pas très gourmand en béton. Moi, je dois pas courir jusqu'à là-bas, mais de toute façon, dès que j'aurai le train, ou en tout cas le véhicule, j'irai chercher directement. Voilà, hop. Après, je déplacerai peut-être encore tout ça, quoi. Béton. Oh purée, je me suis fié uniquement à la foreuse et pas au plan au-dessus. Oh mais et hop, c'est parti. Alors. Magnifique. Alors, il me faut des vis et des plaques. D'accord. Ok. Hop. On est sur le point de vraiment bien avancer. Moi, je
Je kiffe d'instant là, hop. Alors il faut au moins 160 de vis. On va faire un peu plus parce qu'il va nous falloir encore à peu près. Alors, on va le faire tout de suite. Je pense que c'était 5, hein. Je suis pas sûr, mais voilà. Peu importe. Après, il va nous falloir des. Je sais plus, je crois que c'est des plaques, non? Je sais même plus. Bon, on va déjà faire les vis, puis on regarde ce qu'il nous faut pour la machine. Voilà. Ah, voilà, c'est les câbles. Ah, tiens, ils ont. Ont débugué les trucs? Magnifique. On y va. Juste quelques fils. Je suis pas sûr que 15 suffira. Magnifique. Alors. Attention, âme sensible. Ça va décoiffer. Je vais me faire une centaine de ressources de ça et puis après, on va partir sur une jolie démonstration. Allez. Ça consomme énormément, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, à moins qu'ils ont ajusté le truc, mais dans mon. Mais bon, en même temps, j'avais détruit quasiment une forêt. Hein. Le soleil. J'ai cru que c'était un de ces foutus monstres qui. Magnifique, hein.
Vous en faites pas, ça repousse, hein, c'est les arbres. Mais voilà, c'est un peu plus découvert, quoi. En tout cas, une chose est sûre. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien compris. C'est quoi ce truc? Je comprends pas ce jeu. Et on gagne quelque chose? Qu'est-ce qu'on gagne? Peut-être un mini-jeu en fait. D'accord. Donc moi j'ai autre chose à faire que de faire des mini-jeux. Hop. Par contre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah mais oui. Je peux enfin améliorer mon système. Ah, j'allais dire, j'avais un souci avec mon bon, oui, machine.
progrès, c'est bien, mais la nourriture, c'est mieux. Production, protection. Ah, magnifique. Est-ce que ça repousse assez rapidement? J'en sais rien du tout. Si on peut installer la machine ici. Si. Là, 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 là. Ok. Il veut pas. Donc, il veut absolument que ça soit dans une zone, dans cette zone. Donc, bah, ça pose problème pour ça. Mais bon, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Attendez, je sauvegarde quand même. Sauvegarder. Hop, c'est fait. Et voilà. Hop. Bon après-midi.